Bonjour les copains et les copines, alors aujourd'hui on se retrouve. Attendez, désolé. Voilà. Du coup, les copains, du coup, je vais recommencer mon intro. Bonjour. Il y a encore un truc. Bonjour les copains et les copines, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'information. Voilà, maintenant j'en fais souvent. Déjà aujourd'hui ou hier. Non. Aujourd'hui j'en ai fait deux, du coup, ça c'est la deuxième. Et hier j'en ai fait une. Voilà. Du coup. Aujourd'hui, comme vous voyez l'image à l'écran, on va parler des voitures. Alors pour ceux-là qui sont tristes, alors je sais que je vous avais dit que ça allait arriver hier ou aujourd'hui. C'est arrivé. Enfin, je vais vous expliquer ce qui s'est passé avec les voitures parce qu'en fait, il y a eu un gros bug. En fait, les voitures sont bien arrivées aujourd'hui. Qu'est-ce que je dis? Mais non, en fait. Mais je vais vous expliquer. Les voitures devaient arriver aujourd'hui. Normalement, c'était sûr. Et normalement, dans les défis semaine 6, on devait mettre de l'essence dans une voiture. À catch corner, dans un véhicule à catch corner. Sauf qu'il y a eu un gros bug. Du coup, ce n'est pas arrivé. Il n'y a pas eu les voitures aujourd'hui. Mais, j'ai la date de sortie. J'ai la date de sortie. Mais avant, n'hésitez pas à mettre plein de pouces bleus, ça me ferait super plaisir et on peut passer à la vidéo. Du coup, les copains et les copines, en premier, on va parler. Tintintintin. Bon, c'est bon, j'arrête. On va parler. Ah oui, de Midas. Oui, ça fait longtemps que j'ai pas parlé de Midas. Voilà, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu Midas. Voilà. Du coup, Midas. Comme vous le savez, il a été mangé par un requin. La tristesse de Midas. Voilà, il a été mangé par un requin juste après l'événement de fin de saison. Et du coup, quand il s'est fait manger par un requin, en fait, eh ben, il y avait un truc bizarre. C'est que le requin n'est pas devenu en or. Alors que normalement, il devait devenir en or, le requin. Parce que vous savez que Midas, il a les poires d'or. Et normalement, quand il s'est fait manger, normalement, il s'est obligé qu'il ait touché le requin. Mais il est toujours pas devenu en or. Enfin, en fait, attendez. Alors, je vais vous expliquer. Alors, ça, c'est une théorie. Hein. Je sais pas si c'est vrai, mais normalement, c'est Midas qui a fait apparaître les requins mythiques. Les requins mythiques, là, que vous avez vu, c'est Midas, normalement. Parce que vous savez, il s'est fait manger par un requin, mais les requins sont pas devenus en or. Juste après, là, pendant la saison, on a eu des requins mythiques. Et le requin, ils étaient en or. Enfin, les requins, ils avaient la bouche en or. Je sais pas si c'est Midas qui les a transformés en or. Qui a créé les requins mythiques. Oh putain, c'est une araignée. Il y a une araignée juste à côté de moi. Il y a une araignée juste à côté de moi. Oh, l'araignée oust, là. Oust. Du coup, c'est bon, j'ai changé d'endroit. Et là, on peut continuer. Du coup, voilà, je pense en vrai que c'est Midas qui a fait disparaître les requins. Enfin, qu'est-ce que j'ai dit qui a fait transformer les requins. Du coup, maintenant, on va parler d'une deuxième information sur Julie, Midas et Sky. Parce que oui, il y a quand même des mystères avec Sky. Bon, on va commencer à parler de Sky. De Midas et de Julie. Du coup, vous savez, Julie, maintenant c'est la boss de l'autorité. C'est la boss de l'agence, en fait, ça s'appelle l'autorité. Mais vous savez, dans l'événement, l'agence a été détruite. Et Midas s'est fait manger par un requin. Du coup, Julie, du coup, sa fille, a voulu construire son autorité. Construire son propre endroit. Du coup, elle a construit. Voilà, voilà. Et du coup, elle a deux armes mythiques. Elle a la Thompson de Midas, du coup de son père, et elle a le grappin de Sky. Et Sky, c'est une fille. Du coup, je me demande bien si Julie, c'est la fille de Midas, Midas, c'est le père, mais je me demande si Sky, c'est pas la mère et la femme de Midas. Ça, c'est une grosse question parce que, comme vous le savez, Midas et Sky sont morts. Enfin, Sky, je sais pas, mais je pense en vrai. Attends, désolé, je suis en train de faire un truc. Je pense en vrai qu'elle s'est noyée à cause de l'inondation qu'a eu au requin.
Un requin. Du coup, je me demande si Sky, c'est pas la mère de Julie. En vrai, ce serait logique parce que Julie a l'arme de Sky et a l'arme de Midas. Du coup, voilà. Et maintenant, on va parler juste. Ah bon, là, on fait que parler de Midas à chaque fois. Là, on va parler de Julie et de Midas, juste. Alors, enfin, c'est pas. Là, c'est une théorie. C'est une théorie que j'ai inventée moi. Du coup, ma théorie, c'est qu'en fait, imaginez qu'en fait, comme. Parce que Midas, il est pas vraiment mort, en fait. Il y a plein de théories qui montrent qu'il est pas mort. Il y a la chaise de Midas dans la map. Il y a la chaise de Midas dans la map. Il y a des voitures en or et Cyril qui ont disparu. Je ne sais pas pourquoi, parce que toutes les voitures de la map ont disparu. On va en parler juste après. Et voilà. Et maintenant, j'ai une théorie à vous faire. C'est qu'en fait, imaginez que Julie n'est pas tout seul. Imaginez qu'après, il y a deux boss à l'autorité. Et c'est le boss Midas et le boss Julie. Un qui est. Midas aura la Thompson. Et Julie aura le grappin. Imaginez qu'il y ait deux boss à l'autorité. Ça serait vraiment stylé. Mais ça serait trop dur à battre. Oh, je vais tuer Julie. Ah non, il y a Midas qui me tire dessus. Ah voilà, là, ça sera comme ça. Voilà, ça sera complètement comme ça. Ça sera n'importe quoi. Et du coup, on va passer à une autre information. On va parler de la disparition des voitures sur la map. Parce que oui, il y a des voitures qui ont disparu sur la map, je ne sais pas pourquoi. Et ont été remplacées par des voitures dégoûtantes, en fait, des voitures détruites et tout. Du coup, c'est parti, on va en parler. Du coup, comme vous l'avez vu, toutes les voitures ont disparu. Les voitures en or de Risky Reef ont disparu et tout. Et je me demande si ils n'ont pas disparu parce qu'il y aurait un danger dans la map. Par exemple, les habitants de Fortnite, ils sont enfuis avec leur voiture parce qu'il y aurait un danger sur la map. Par exemple, un Kraken, le retour de la boule Doomsday, le cube qui s'approche. Non, là j'en fais trop. Un nouveau tsunami ou je sais pas. Un danger en fait. Et avec Chelsea, dans la map de Fortnite, on avait entendu un énorme klaxon à 15h pile. On avait entendu un énorme klaxon. Et je me demandais pas si c'était les voitures qui nous met un signe pour dire qu'ils reviennent en fait, qu'ils reviennent sur la map. Voilà, ça peut être possible. Bon, en tout cas, on a plein de théories. On a plein de théories. Voilà, qu'on se demande encore. Voilà. Et ben voilà. Et maintenant, on va passer à la dernière information de cette vidéo. La date, la vraie date de sortie des voitures. Et là, normalement, c'est sûr. C'est quelqu'un, c'est un leaker en fait qui nous a teasé ça. Voilà. Alors, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, il y a eu un énorme bug en fait qui a pas donné les. Pardon. Du coup, qui a pas donné un défi, c'était mettre l'essence dans les voitures. Enfin, mettre de l'essence dans un véhicule à 4 corners. Et normalement, en fait, c'est parce qu'il y a eu un énorme bug. Du coup, les voitures ont été encore décalées. Du coup, j'ai eu raison. J'ai eu raison. Normalement, c'était aujourd'hui. Sauf que bah, ça a été décalé. Voilà, ça a été décalé. Voilà, voilà. Bon, et ça a été décalé. Je vais vous dire la date si vous mettez un pouce bleu. Et si vous abonnez. Voilà. Bon, allez. Ok, 10. Allez. Allez. J'attends. C'est bon? C'est bon, t'as mis un pouce bleu? Ok, je peux vous dire la date de sortie. Alors, la date de sortie des voitures. Normalement, c'est officiel. S'il n'y a pas de bug, bien sûr. Ou si c'est pas décalé. Ou si Epic Games ne font pas n'importe quoi. Normalement, ça sera demain. Demain, il y aura les voitures. À quelle heure? À 9h du matin. Oui. Du coup, demain, soyez là à 9h du matin. Normalement, on aura les voitures. Normalement, c'est la date officielle. Voilà. Normalement, on aura les voitures demain, le 9. Le 9, voilà. Enfin, qu'est-ce que dit le 9? À 9h du matin. C'est même pas le 9. On a dépassé le 9. Du coup, voilà. Je crois que j'ai tout dit. Hein. Voilà, j'ai tout dit. Là, je vous ai donné beaucoup d'informations. J'ai surtout donné des informations sur Midas, Julie. Et voilà. Sur Midas et Julie, j'ai surtout donné des informations de ça.
Voilà, bon, du coup, on va voir par la suite qu'est-ce qu'il y aura par la suite sur Fortnite. Du coup, les copains et les copines, dites-moi si cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, mettez-en plein de pouces bleus. Et surtout, abonnez-vous. À bientôt, les copains et les copines. Bye bye.